Salut, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut, c'est Hugan. Salut, c'est qui? Bonsoir, c'est LDD. Et Youfi. Non, cause vibration. Bah, cause vibration, c'est quoi? C'est de toute façon, personne doit connaître, hein. C'est Ghost Vibration, c'est un survival horror sorti sur PlayStation 2. Alors hélas, je me souviens plus exactement de l'année, c'est sorti il y a quelques temps déjà. Il est sorti en anglais en France, donc il n'a pas eu connu les honneurs d'une véritable localisation française. Mais il est sorti chez nous, à peu d'exemplaires. C'est un jeu assez underground qui est assez difficile à trouver. Alors Kezako, c'est un survival horror qui fait peur, ma foi. Au début on croit, parce que la musique d'intro est assez flippante. Écoutez deux secondes. Voilà, donc on comprend qu'il s'agit de fantômes, des mystères dans un manoir hanté, donc c'est quelque chose d'assez cliché, on est d'accord, qu'on retrouve dans tous les films de fantômes, dans beaucoup de jeux du style. Et c'est un jeu qui ressemble un petit peu dans le concept à Luigi's Mansion, puisque vous devez attraper des fantômes dans un manoir hanté, justement, avec un aspirateur. Et votre héros, c'est un chasseur de fantômes, en fait, et il habite aux États-Unis, il décide d'aller en Europe comme ça, parce que sa copine lui dit « Hey, il y a peut-être un manoir hanté en Europe, on y va ?» Ok. Donc il va en Europe, il va dans un manoir hanté et il se retrouve enfermé et là il doit attraper des fantômes avec son aspirateur. Ça c'est le scénario du jeu. Je sais pas, peut-être que je vais lancer quelqu'un d'autre pour continuer la présentation du jeu. L'aspi. Là vous pouvez voir donc les bases du scénario que LDD nous a déjà expliqué. En Europe, c'est vague. Je suis en Europe, tu me rejoins. Ok, j'arrive. Voilà, il prend le bus, donc il prend le bus, la rue numéro 14, pour aller en Europe, c'est assez rapide. Donc là, il y a une intro. Bon, là, on se dit que le jeu peut être assez stylé. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses qui peut encore le caser dans la catégorie jeu moyen, en fait. Donc après, on commence à apercevoir les personnages, où on voit quand même qu'ils ont un charisme certain. Là, par exemple, vous allez pouvoir voir le... Là, ils sont assez classe. C'est Cypher. C'est Cypher. Quand vous voyez, quand vous allez... Voilà, les personnages. Ah mon dieu! Et là les gens sont. C'est un moment là où tout le monde est choqué. C'est là tout le monde est choqué. Ah le choc! Quand j'ai vu ça pour la première fois, bah, j'ai eu un choc. Oui, parce que en fait c'est, j'ai honte, mais c'est moi qui ai ce jeu, je l'ai eu gratuit. On me l'a donné. Et c'est vraiment un jeu que j'ai découvert. Je l'avais laissé traîner dans une armoire et on l'a ressorti là pour le Mogi Aspi Show. On l'a testé pour vous. C'est un jeu underground, très peu de personnes y a touché. Regardez les personnages. Rien qu'en voyant la tête du perso, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a classé dans chef-d'œuvre de médiocrité. Vu que il est très très moche. Dodo, on dirait Cypher. Mais après, Dodo, on précise. Donc là, alors déjà, on dirait E.T. De face, on dirait un monstre. Il a une bouche chelou. Vous allez voir, surtout lors des cinématiques, laisse tomber la bouche. Regarde les yeux. Non, mais regardez la synchronisation labiale. T'as vu? Regarde leurs lèvres. C'est ouf. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que donc, lorsqu'on regarde ça, on se dit non, ils sont moches quand même. Et tu m'étonnes. Ils sont quelque chose de mal. On dirait des monstres de Célantine. On dit ouais, c'est des créatures. Donc eux-mêmes font peur. En fait, ceux qui font peur dans le jeu. Et là, après tu commences le jeu, tu dis bon, putain, ils sont moches quand même. Bon, peut-être que ça arrive qu'il y a des jeux moches. Il y a des jeux qui a des chara design. On sait jamais, hein. Attends, c'est pas parce que c'est moche que le gameplay poivre, hein. Il y a des exemples, hein. C'est pas parce que c'est moche que le gameplay est sur un rail, on peut pas bouger ni reculer. Et non, surtout, le choc. Justement. Et justement, là, juste après, c'est une cinématique qui passe à. On comprend rien. Donc, ils sont c'est l'espèce de SOS fantôme du pauvre. Avec l'espèce. D'aspirateur. Et puis là, il y a une scène mystérieuse. Elle lui met un coup de pression à un moment, elle fait tu as peur? Elle essaie de lui mettre la pression à son pote, ça sert à rien, ça fait c'est trop pauvre. Ah, regarde. Scène mystérieuse. Tu vois, elle saigne, elle fait ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es marqué avec le signe. On comprend qu'il y a un fantôme foireux qui a une malédiction de merde qu'il faudra délivrer d'une manière ou d'une autre. Et là, la fille fait Are you scared? C'est très très pauvre. Et justement, il fait écoute, ok, on y va. Donc là, ils y vont. Et c'est là vous allez voir. Elle disparaît, la fille, vous allez voir. Donc là, ils sont tous les deux ensemble. Et hop, le jeu commence et disparaît. Et là, elle s'est volatilisée. On la retrouve à la fin du niveau 3. Enfin, on comprend rien. On sait pas où est-ce qu'elle a disparu entre temps. Il faut savoir que le jeu il est court aussi. Bon, ça, on expliquera après. Mais que le jeu est très court. Là, et voilà, le jeu commence. On se dirige. Là vu d'ici, vous vous rendez pas compte. On se rend pas compte. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà. C'est que chaque personne qui a joué aussi, parce que quasiment tous au Mega Speed Show, on y a joué. Chacun son tour. Parce qu'à chaque fois, on disait Tic, vas-y, joue à toi maintenant. Et sans dire les bases du gameplay. Et on a tous la même réaction, c'est qu'au début, on croit que la manette déconne. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on vraiment. On s'est déplacé dans la salle au début du manoir. Pourquoi il se déplace pas le perso? Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule touche qui fonctionne dans le jeu, c'est la touche directionnelle haut. Parce qu'en fait, on ne peut que avancer. Et donc là, en fait, on avance sur un rail. Et ça bouge de merde. La caméra, il y a une caméra fixe parce que comme vous pouvez pas vous déplacer où vous voulez, ça sert à rien d'avoir une caméra qui est derrière le perso. On peut que avancer.
tout droit. Et on peut même pas reculer ni aller sur les côtés, c'est que tout droit. C'est, vous avancez bêtement. Et après, de temps en temps, vous pouvez sortir votre aspirateur. Dans ce cas-là, ça passe en vue subjective. Vous devez viser un fantôme, ce qui n'est absolument pas fun. Et appuyer bêtement sur la touche rond ou carré, je sais plus, pour aspirer le fantôme, pour éviter qu'il vous tue. Et voilà. C'est tout. Le truc ouf, faut quand même penser à cette fameuse barre de surchauffe, c'est-à-dire la barre rouge que vous avez vue en bas à droite. C'est-à-dire que si on utilise un peu trop souvent, enfin trop longuement l'appareil, bah à un moment il est en surchauffe et le monstre peut s'échapper. C'est un peu ce qui a inspiré Mass Effect, le système de la surchauffe de l'arme. Non, je rigole, mais c'est. Surtout, je vais juste. On a vu l'effet 2D foireux, le fond. Regarde, c'est voilà, c'est que sur des rails. Et surtout, je vais mettre l'accent, c'est que c'est un survival horror, mais qui ne fait absolument pas peur. Déjà, il faut savoir que leur espèce de manoir à abandonné, il est quand même très très propre hein, pour pour quelque ça, chose. C'est la scène la plus dégueu. Voilà, c'est la scène la plus dégueu là. Mais il faut savoir que après, il sait, ben on pourra visiter entre guillemets visiter plusieurs pièces. Des beaux tableaux, l'électricité elle est là. Enfin, je veux dire. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, donc pour un survival horror, déjà ça fait la maison ne fait absolument pas peur. Y a pas de musique, de plus, y a pas voilà, c'est que le jeu n'a pas d'ambiance sonore. Il y a absolument quasiment aucune musique. Il y a rien. Il y a que les bruits des pas. Ouais. Et c'est très très foireux. L'aspirateur. Ah, c'est un clin d'œil. Alors ça c'était facile et petit les gars. Est-ce que c'est un jeu qui te rend honteux vis-à-vis de ta race ? Non parce que bah là l'aspirateur est à la base du gameplay. Donc moi je suis assez fier, surtout que c'est pas vraiment un aspirateur, c'est plutôt une sorte de grappin aspirateur. Et je sais pas. Pour faire genre c'est pas copié sur Luigi's Mansion, mais c'est Grig qui est un aspirateur. Oui c'est Grig, c'est un aspirateur. Mais enfin au vu je pense que ça va être une quatrième génération d'aspirateur ou un truc dans le style. Mais je me suis pas trop renseigné dessus. Mais en tout cas c'est vraiment bien, c'est un excellent jeu. Moi je... Je trouve que vous êtes très méchant depuis le début, que vous critiquez. Vous avez la critique facile en fait, les mecs. Moi, je trouve qu'en fait, par exemple, le fait d'avoir mis ça sur des rails, ça sert à accentuer la peur, vu qu'on peut pas trop aller sur les côtés. On sait pas trop. Oh non, j'ai un peu peur sur les côtés. J'aimerais bien y aller, mais je peux pas et tout. Et c'est bien. Du coup, en fait, ce qui ressort de ce gameplay sur rails, parce que là, on peut vraiment pas se rendre compte sans y jouer, parce que là, on a l'impression qu'on se déplace dans. Mais c'est absolument pas le cas. C'est vraiment, on avance, on appuie que sur la touche haut. C'est que ça le gameplay. C'est appuyer sur la touche haut. Ça fait penser au jeu d'arcade. Genre Virtua Cop, les trucs comme ça, où c'est pas toi qui dirige ton perso avance tout seul. Là c'est pareil, mais c'est juste que t'as juste appuyé sur avant quoi. Autant que ton perso il avance tout seul comme dans les jeux d'arcade de tir où tu sais c'est pas toi. Et c'est sachet. Parce que dans les jeux à la Time Crisis par exemple, t'as le gameplay où tu te caches, où tu recharges et tu dois viser sur des ennemis, c'est un jeu de tir. Là même pas, c'est un jeu qui est censé faire peur, mais c'est pauvre, c'est très pauvre. Et surtout, et le fait que ça soit sur un rail justement, c'est-à-dire que t'as pas d'exploration, t'as pas d'énigmes, tu te contentes juste d'avancer et du coup les niveaux sont très courts. Tu mets 10 minutes pour finir un niveau et finalement le jeu, bah tu joues 1h30, le jeu tu l'as fini. Hein, il faut juste avoir les couilles de jouer 1h30 parce que c'est vraiment trop chiant. Et d'ailleurs il est assez simple, enfin il y a 2-3 boss vite fait qui peuvent être problématiques, mais sinon le jeu est très simple. Ah bon, on l'a quand même bien poussé hein. Tous ensemble, hein. Essayez d'écouter la feature intéressante, c'est le bruit des fantômes. Ils font. Et ça fait pas flipper du tout. Par contre, ce qui est sympa, enfin, à retenir, c'est que chaque fantôme a un nom et un prénom quand même. Ça fait René quelque chose, quoi, l'un des premiers qu'on capture. C'est pas mal, hein. À noter aussi les super plans de caméra quand on déplace, pour un peu occuper la vision, hein, vu qu'on peut pas trop bouger. C'est du vrai David Lynch. Ah, si tu le dis, hein. Que le jeu a été développé par Artoon. Qui ont fait des bons jeux avant. Ils ont fait Yoshi's Island DS. Des bons jeux. Ouais, après, parce que on se demande, ils ont fait cette merde. Après, ils ont fait Yoshi's Island DS. Il y a quand même Nintendo ou d'autres qui ont fait. Et après, ils ont fait Blue Dragon pour le compte de Miss Walker quand même. Les gens qui ont fait Ghost Vibration, qui est l'un des pires jeux inconnus de la PS2, ils ont fait plus tard. Ils ont bossé sur Blue Dragon en de concert avec Miss Walker. Et ça, c'est quand même étonnant parce que ça, ce jeu, quand on voit ça en passif comme ça, on se demande comment quelqu'un a pu leur demander de travailler avec eux. Parce que c'est vraiment l'un des jeux les plus pourris que j'ai jamais vu de toute ma vie. Sincèrement, je crois. D'ailleurs, en le faisant, je crois que c'est. Enfin, sans vouloir me tromper, je crois que c'est. Non, mais sincèrement, c'est même pas l'un des pires jeux. Je crois que c'est... Enfin, je le pense vraiment. C'est. Alors, mis à part quelques petites daubes que j'ai pu jouer, genre sur Amstrad. Mais c'est. Ah ouais, c'est vrai. Donc finalement. Non, je crois que le jeu Bienvenue chez les Ch'tis, je pense qu'il. Sincèrement, je pense qu'il est un peu mieux. Je pense qu'il est pire, c'est un jeu fait avec des gifs. T'as la tête de Danny Boone, la tête de Kadmerat sur un vélo. Il bouge et t'as des mini-jeux de merde où tu dois mettre des frites dans une baraque à frites. Ouais, là, et ça c'est même mieux, tu t'amuses devant ce moi, jeu. Je préfère la gueule de Kadmerat que la gueule du héros de Ghost Vibration. Parce que regardez bien la tronche la avec sa bouche et son nez.
Je sais pas ce qu'il fait avec sa bouche, mais il la fout partout. Je sais pas ce qu'il met dedans, mais regardez sa tronche. Regardez, regardez sa tronche. Sa bouche. Déjà, on fait exprès des, bah, des fois s'arrêter depuis le début de la vidéo. À chaque fois qu'il y a un point de caméra un peu chelou sur sa bouche, on fait exprès de s'arrêter parce que il a une bouche. Cette bouche, on... des fois, ça nous arrive d'essayer bah, se rencontrer, se dire putain, tu te rappelles de la bouche du héros de Ghost Vibration? Oui, et même on dit eh, regarde lui, il a une bouche à la Ghost Vibration. Oui, maintenant, c'est une expression. Maintenant, c'est une expression chez nous. Maintenant, on dit ah, il a une bouche de Ghost Vibration, le con. Pour ceux qui regardent la vidéo, remarquez qu'on est revenu au point de départ. Incroyable. Oui, exactement, incroyable. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, hein. On se croit dans un vrai manège, hein. Ouais. Attention, c'est une simulation de manège, je dirais. Un manège, c'est vrai, parce qu'on se retrouve au début. On avance, on tourne en rond, et après, en fait, il ouvre des portes, vous choisissez absolument pas quelle porte on ouvre. C'est même pas un survival horror, vous avancez, et il y a juste... Il fait pas peur. Et il y a des scènes en vue subjective pas fun, pourrave, avec un grappin, mais c'est naze. Avec un manoir tout propre, parce qu'il y a une femme de ménage, quand même. Mais ce qui est marrant, c'est que vous pouvez tester vos amis. C'est-à-dire, vous achetez le jeu à 90 centimes sur Price Minister et vous dites, eh tiens, regarde, j'ai trouvé un putain de jeu, vas-y, joue-y. Et il va dire, eh, mais ta manette elle marche pas là, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je fais, mais non, c'est normal, t'as juste appuyé sur avant parce que c'est un rail de merde. Là, on revient voilà. Dans la première salle du jeu, et on va assister au boss qui est très très flippant. Et une image d'enfant subliminale pour faire s'il y a un background c'est et tout. C'était facile, beauf, banal, avec des images genre. Pas compliqué, ouf. Avec des images, il y a des images, je disais, beauf, banal, foireuse, subliminale en noir et blanc pour faire genre, il s'est passé des trucs de ouf dans le passé dans ce manoir, mais qu'est-ce que c'est? Découvrez-le en jouant. Mais en fait, c'est pourrave, l'histoire elle est inintéressante au possible. Mais c'est vraiment le pire jeu de tous les temps, enfin, c'est pas loin. Parce que sur PS2, c'est peut-être sincèrement alors, le plus mauvais, mais vraiment. Et je doute vraiment. Alors, très certainement, il y a beaucoup de jeux mauvais que tout, genre on n'a pas fait. Mais ah, il y a une petite musique quand même là. Il y a quand même une musique de boss. C'est l'une des très rares musiques quand même. Parce que bah, le compositeur était. Ouais, il y a deux pistes. Hein. C'est le mec qui veut acheter l'OST. Mais il est dans la merde. Hein, parce qu'il y a genre deux pistes avec des musiques à voilà, con. Et voilà. Et là, c'est le boss. Donc on peut voir le fameux système comme disait Hectic tout à l'heure. Donc deux surchauffes effectivement. Et le boss, bah voilà. Il utilise aussi son attaque spéciale. Parce qu'en fait, si à force d'aspirer beaucoup. De monstres, on charge avec sa bouche. On charge une barre de spécial en haut à droite, je crois là. Enfin, si je me... oh, non, ça c'est la santé du boss. En haut à gauche, en dessous de la vie, voilà, c'est l'énergie. Et une fois qu'elle est remplie, bah, on peut balancer une super attaque spéciale pourrie, ouais, qu'on a vu au début du combat contre le boss. Ah, Yuffie, tu veux dire? Alors Yuffie a vu le jeu. Yuffie a vu le jeu, alors on a parlé. Un petit commentaire, Yuffie. Allez, vas-y. Je me réveille. Oui, non, il a une bouche affreuse. Hein. Et ouais, non, sinon c'est le... Alors, Yuffie aussi a été marqué par la bouche, tout au fond. On peut retenir que ça de ce jeu. Et C'est un peu ce qui fait peur quand même, mine de rien. En fait, ce n'est pas les fantômes qui font peur, c'est les gros plans sur le personnage. C'est ça, le survival en face. C'est peut-être là-dessus qu'il voulait appuyer. Hein. Pensez-y, hein. Mais moi, c'est un jeu quand même que je conseille aux gens d'acheter s'ils le trouvent pas cher, juste pour se dire j'ai Ghost Vibration et pouvoir faire peur aux gens. Regardez. Et surtout, je tiens aussi à signaler que c'est un jeu pour montrer à certaines personnes qui prétendent que certains jeux sont pourraves, comme Tomb Raider 3 ou tout ça, et que ou d'autres gens qui disent FF12 c'est le jeu le plus pourrave que j'ai jamais vu. Franchement, je pense qu'ils savent pas ce que c'est qu'un vrai jeu pourrave s'ils ont pas joué à Ghost Vibration ou à d'autres jeux tout pourris. Alors que ça, c'est vraiment très 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 pourri. Il est tellement pourrave que des fois elle est difficile. Hein. Ouais, c'est dur à y jouer. Mais en fait, la difficulté elle vient du fait que c'est tellement imprécis qu'on galère. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, en fait, la capture c'était moi qui l'avais fait, je crois. Et là, j'ai pas essayé de faire du scoring sur cette partie. Sinon, en général, je suis assez doué quand même. C'est possible. Je suis témoin, c'est possible de faire un 100% sur le premier niveau assez facilement. Mais ouais, donc le jeu est à chier. Une belle daube. Achetez-le si vous le trouvez à moins de 3€ et que vous voulez vous rire avec des potes, mais sans plus, parce que c'est vraiment de la grosse merde.